Hey yo tout le monde, c'est Thiobuj, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Et là je suis en train de voir que j'ai peut-être posé les raffineries un peu trop près. Oh oui, par rapport à ce que j'avais fait tout à l'heure. Alors, donc on va poser nos raffineries de manière un peu plus raffinée, j'ai envie de dire. Tac, tac et tac, donc je pense que c'est par là. Ouais, hein. J'espère que ça passera là. 3, 4, oui, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Tout juste, mais ça passe. Ça passe, tant mieux. Voilà. Alors, on va pas chercher, hein. Ça passe, ça passe. Donc 6 raffineries, ça, c'est pour le la résine de polymère. 3, 4, 5, 6, voilà. Et on a full résine de polymère, impeccable. On fait l'alimentation électrique. Mon anime là? Oui, j'ai totalement foiré. Attends, mais j'ai foiré doublement là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. Tac, c'est à ce niveau là. Oui, alors. On va peut-être se calmer. Dans le sens où j'ai. Si je me trompe pas, encore quelques raffineries à mettre, j'en ai encore 14 à mettre. Ouais. Donc on va se calmer un peu sur les raffineries. Alors. En alimentation, ça me sort. Ok, ça me rentre ça et ça me sort que de la résine de polymère. Ça c'est très bien. Ah oui, alors non, on va mettre les couleurs. Je vais m'occuper. Bah non, j'ai pas sorti. Je vais modifier ça. Hop là. 8. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Impec. 8. 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Voilà. Ouais, on a que de la. Ouais, bah on a que ça. Hein. Donc là, ça va être assez simple, entre guillemets, à mettre en place. Tac. Hopper. Hopper. Je suis pas en place du tout. C'est assez simple. Ferme la bouche, mon gatchop. Parce que. D'ailleurs, je suis pas bon du tout. Hein. Je fais vraiment n'importe quoi. Hein. Ouais, parce qu'on prend de la confiance, on fait de la merde. Hop. Voilà. Ouais, je suis bloqué par un petit caillou, excusez-moi. Il y a un gravier devant moi là, j'arrivais plus à avancer, c'était compliqué. Hop, et voilà. Donc. Qu'est-ce que. Oh, c'est dingue ça, quand ça fait ça, c'est dégueulasse. Je sais pas pourquoi ça me le fait. Excusez-moi, je galère là, c'est dingue. Voilà. Et donc ici, en fait, on a notre résine de polymère. Hop. Là, c'est un coup. À... Ça, c'est un coup à tomber. Voilà. Si je dis n'importe quoi, j'ai de la sortie de. Bien sûr que j'en sors du. Des résidus de pétrole lourd. Voilà, je sais pas ce que j'ai foutu, je sais pas ce que je fous là.
Ah, merci. Il va falloir que je recolorie tout ça en plus, ça sera terrible. Hop, modifier. Dis-moi que je l'ai encore. Oui. Super. Coup de bol. 1, 2, 3, 4. Cinq. Non, ça devait arriver. C'est pas grave. Voilà. On a coloré en rose. Oh, ouais, non mais. Ça... Attends. En vrai de vrai. Qu'est-ce que c'est moche. C'est pas beau, hein. Après, je crois que là, on peut dire. Oui, mais c'est. Mince, je peux y arriver. Mais on le fait brillant. Si je fais brillant, ça fait quoi? Ça change un truc au moins ou pas? Ça change rien du tout. Rien. J'ai pas la différence. Hein. Alors il y en a peut-être, hein, mais je la vois pas. Hein. Mat. Sélectionner la couleur. Bon, peut-être qu'il y en a une. Peut-être pas. Voilà, alors on va aller chercher le caoutchouc. On va débloquer la phase. Je peux avoir produit un pouillet de caoutchouc, j'espère. Wouhou! Oui, impeccable, tiens. On va foutre un coup de tri là-dedans, parce que c'est un peu le zbeul. Et on va débloquer la phase suivante. J'ai aucune idée de ce qu'il me faut pour débloquer la phase suivante, ça va être la surprise. Et là, j'ai 750 m3 de résidu de polymère. Ça fait beaucoup, là. Non, en vrai, ça fait beaucoup. Ah, c'est pas cool. Non, ouais, donc, ça va faire partie de mon côté. Ok. Donc, MK4, je crois que j'avais dit. Oui, c'est parti. Donc, du caoutchouc, du... Merde. Je sais pas ce qu'il faut, là. C'est terrible, ça. Cadre modulaire, c'est pareil, ça, j'en ai. Bon, au moins, ce qui est pratique, c'est que c'est au même endroit, donc je vais chercher ça de suite. Ça me fait augmenter ma... Oh merde, ça me fait augmenter ma conso. Ça, c'est moins cool, par contre. C'est que ça va vraiment me faire augmenter ma consommation d'électricité. Après, tu me diras, là, j'ai que la résine de polymère encore à vraiment lancer, donc c'est pas trop grave. Donc, si je me trompe pas, ici, je dois avoir... Cadre modulaire, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, excuse-moi, excuse tes jambes. 1, 2, 3. Et je vais même pouvoir en prendre plus parce que j'ai MK4 là, donc ouais. MK4 qui demande justement des poutres en béton armé. Donc bon bah voilà, on fait avec. Raffinerie. Hop, ça balance, ça balance. Et là j'aurais ça, hein. Milestone reached. Allez, the transportation of resources can reach new heights of efficiency. Foutre ça là-dedans. But even more importantly, your effort. Handling a large and complicated vehicle like the truck should come easy to a well-trained pioneer such as you. They are an obvious improvement over tractors concerning industrial purposes. Improvements for personal use were not measured. Chiant utilisé. J'aurai besoin
de faire de nouvelles raffineries. Et pour ça, je vais avoir besoin de tout ce qui est tube. Donc il y en a là-dedans. Hop, la tôle et les tubes, ça doit être quelque part par là. Non? Si. Voilà. Donc là, j'ai besoin de 3,75. Oui, c'est précis. Hein. 3,75 raffineries pour la coque de pétrole et 10 tout pile raffineries pour le carburant résiduel. En vrai, je me demande si je vais pas continuer sur la lancée. Je vais voir si ça passe. Ça me fait 14. Donc là, si je dis. Alors, dans le bon sens, ce serait cool. Dans la bonne direction. Non. Hop, ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Impeccable. C'est vraiment impeccable. Hein. J'aime bien. Hop. Là, j'ai pas fait la lime de ça. Ouais, je suis une brêle à chaque fois, ça me stresse ça. Ouh, c'est bon, c'est du premier coup, je crois. Dis-moi que c'est du bon. Mais... Je passe au reste de la suite, comme on dit. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4. Je crois que j'ai fait un petit loupé. 4. 5. 6. Boire du pastis. Oh, le MK4, ça fait bien. Tac. Tac. Là, il va falloir que je me montre un peu près intelligent. Ça va être chiant. Ça marche là? Tu crois que si j'en mets un truc là, ça se passe? Non. Ah, fichier. C'est tout proche. Faut pas tomber. Faut pas tomber. Bon, et ça saoule. Voilà, merci. Ah, mon vieil, là, c'est bon, c'est chiant. Voilà. Couleur. Voilà, n'oublie pas. Custom. Non, parce que tout ça, ça changera. Custom, c'est ça. J'ai fait un truc là, je crois, non? J'espère que j'ai pas custom le mauvais truc là. J'avais pas vu que j'avais un trou en plein milieu. C'est très dommage. Ok. Je suppose que ça se remplit. Bah, c'est rempli presque. Donc c'est bon. Par contre, j'ai l'impression que ça galère en pression. Je sais pas si c'est le temps que ça se remplisse ou parce que ça. C'est vrai, je suppose que c'est parce que ça remplit. À vérifier quand même, hein. On fera un petit check comme ça. Hop. Voilà. Et oui, ok, tout ça, ouais. C'est bien tout ça. Ça, c'est des résidus de pétrole lourd aussi. Donc là, c'est quoi? Ça, c'est un.
quoi ça l'alimentation? Pourquoi là j'ai pas le même truc? J'ai un truc qui me fait peur, c'est que j'ai pas le même pattern. T'as? Là j'ai l'entrée, j'ai la sortie. Là j'ai l'entrée. La vache, la sortie elle est vachement loin. J'ai la sortie. Et pourquoi j'ai pas d'entrée là? Je fais si loin que ça, j'ai autant décalé que ça? Ah ouais, ouais, j'ai beaucoup plus décalé en fait. Oh la vache. Ah oui. Hein? Non, j'ai entré, oui. Moi si c'est là, hein. C'est là où j'ai vachement décalé en fait, je crois. Attendez, j'ai du mal à... C'est à peu près kiff... Oh non, Entre la sortie et l'entrée, j'ai un bloc et demi, on va dire, et là j'ai... Ouais, deux blocs et demi, ouais, d'accord, j'ai totalement décalé, je sais pas pourquoi les derniers... Je croyais être trop loin, donc j'ai décalé. Bon bah c'est pas grave, c'est comme ça. Par contre, il va falloir que j'arrive à recibler comme il faut, encore cette saloperie là. La vue de nez là, la vue de nez c'est pas bon. Donc on va faire la vue d'œil, ça m'a l'air déjà mieux. Ok. Ou alors que je me fasse pas avoir parce que là j'ai toute la longueur à faire. J'arrive pas à voir. Ouais. Ok. Ouais, j'ai 17 de longueur à faire, c'est pas la même chose. Parano à force hein, de dire ah oui mais là, j'ai foiré un truc donc tout ce qui est derrière c'est foiré. On fait 50 000 vérifications parce qu'on dit oh, merde j'ai encore foiré un truc là. Et comme j'ai pas envie de tout modifier l'arrière, bon mieux vaut une vérif que 550 modifications j'ai envie de dire. Bon, après si on fait 100 vérifs pour 50 modifications c'est un peu casse-couille quoi. Sauf si la vérif est facile, bon après voilà, c'est... Hop, merci beaucoup. Voilà. Là, on va aller chercher les derniers. Voilà. Je le sors comme ça d'habitude. Je suis comment ? Je crois que je suis vraiment pas mal. Impeccable. Super. Tac. Voilà, pardon. Wow, je suis parti loin d'un coup. Et là, si je me trompe pas, quelque part par là, je dois avoir les autres.
Ouais, j'en ai marre de faire des allers-retours. Hein. Voilà. Voilà. Ah, va falloir que je passe à la lime dans tout ce bazar. Donc là, c'est de la lime à base de résidus de pétrole lourd. Et uniquement d'ailleurs. J'étais en train de vérifier en mode est-ce que je n'ai pas oublié d'autres, donc c'est uniquement résidus de pétrole lourd. Et là, je suis en train de me dire un truc là. Là, regardez là, par rapport à ma prod. En train de me dire, je pourrais faire un truc qui serait plutôt bien. C'est un peu chiant, mais bon. Tac, ça, ça et ça, parce qu'il me semble que j'ai de la coke de pétrole. Donc, ah, c'est pas ouf ça. Ouais. Ok. World Mission. On va faire autrement. C'est que, en fait, ça, les poteaux d'alimentation, je peux les mettre. Putain. Voilà. Je peux mettre comme ça. Ce qui fait que déjà ça. Pardon. Vous avez peut-être exquinté les oreilles, j'en suis navré. C'est que ça là, hop, voilà, ça passe comme ça. Là il me faut le même principe hein, sur le poteau en soi ici. Tac 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 tac. Hop, tiens, pas besoin de lumière supplémentaire là. Oui. Tac d'ailleurs, je l'ai pas. Oui, mais non, oui, je me disais bien aussi. Hop là. On s'en fouiche. Hop là. Et que là, bah, j'ai pas besoin d'avoir besoin de ramener en fait un peu tout ça là. C'est quoi ça? Ah, 120. Oui, 120. J'ai en droit là. C'est bon? Oui. Et calmos, calmos. Oula. Et là, je fais ça. Oui, impeccable. Oui, mais j'étais AFK pendant les trois quarts du temps, c'est bon. C'est gentil de me le rappeler en tout cas. Hop. Tac, 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 tac. Et. Alors. Ok, c'est là où faut être. Voilà, c'est que là j'ai mon. Une groupeur de convoyeurs. Hop, tac, toi tu vas là, toi tu vas là. C'est que là j'ai un répartiteur de convoyeurs qui doit aller là. Entrer c'est là, là j'ai ça, là à tous les coups c'est plus en ligne donc c'est dégueulasse, et bah oui. J'arrive pas à viser, putain. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Que ça, même... Même problème. Zut. Voilà. Et voilà. C'est bien. Oui. Bon. Ok. Ce qui fait que là. MK3, ça suffit. Oui, ça suffit. Voilà. Que ça. Tac. Alors comment ça, je suis gêné par quoi là? Je suis gêné par un. C'est. Oh, oh. Ouais, il casse le bonbon. Hein. Bon.
mettre plus loin, hein, comme tu m'embêtes. Là, c'est bon. Organisation. Voilà, ça te va. Je suis recueilli. Ah, oui, alors. Non, ça bouille. Alors, non. Viens. Je vais pas y arriver. On va y arriver. Mais si, on va y arriver. Vous inquiétez pas. Je disais, oui. Ici, je veux mon répartiteur. Ça qui va là. Ici, je veux mon groupeur. Voilà. Ici, je veux mon répartiteur. Je réfléchis un peu celui-là. Là, ça dégage par là. Là, ça dégage par là. Là. Ça dégage par là. Là. Ça dégage par là. Voilà. Il est monté lui. Oui. Il a l'air. Ouais, c'est bon. Hop. Ensuite. Putain, par contre, comment je suis passé l'électricité là, moi. Ça fait chier ça aussi. Quelle idée à la con. Attends, je sais pas où ça s'arrête. Ah oui. Ok. Ouais. Là, je tire ma ligne qui va là. Un peu chiant quand même. On va y arriver. Là. Bon, je la mets là en attendant. Tout ça va falloir alimenter encore. Hop, alors excusez-moi. Faut regarder le niveau de temps de rush. Parce qu'il y a match. Allez, je finis la ligne vite fait là. Ah. Je crois que j'ai même pas programmé ça là. J'ai quoi là-dessus? Raffinerie de coque de pétrole, donc j'ai 4 coques de pétrole. 2 1 1 2 3 4 et dont une qui a 75%. Oui. Pas alimenté en électricité. Ah oui. En effet, je n'ai pas relié. Alors, voyons voir. C'est là, ok. Voilà. Et là, on devrait être alimenté. J'espère que. Pour la conso max 4 giga. 5 giga, pardon. Ça peut monter très haut, hein. Bon, là, il devrait m'arriver un peu de coque de pétrole. Si je dis pas de bêtises. Ou résine, je sais plus. Résine, peut-être. Une des deux. Ça a l'air d'être de la résine, ça, Vinéa. Hein. Ça a l'air d'être bleu. Ouais, c'est bleu. Ouais. Hop, donc une partie qui se barre.
Ah bon là, j'ai MK2 là. MK3. Voilà, on a une partie qui se barre là. Et une partie qui se barre dans le broyeur. Ouais, j'arrive pas à monter sur le... Hein ? Ah ouais ! Oh, y'a un petit souci de texture là. Wow. Y'a un vieux map CSS là. Voilà. Bon bah on se retrouve pour le prochain épisode pour peut-être s'occuper de l'alimentation. Ah ouais, mais avant de s'occuper de l'alimentation, il va falloir faire l'étape 4 là. Bon, on va faire l'étape 4 vite fait. J'ai ce qu'il faut en caoutchouc, j'ai ce qu'il faut en plastique, il va me falloir des moteurs et j'ai ce qu'il faut en... poutre en béton. Armé. Tac et tac. C'est bon? Oui, c'est bon. Comme ça, on va tout avoir débloqué. Et d'ici le prochain épisode, on pourra commencer à débloquer peut-être la prochaine construction, je sais pas. Cadre modulaire renforcé lourd, là, j'en ai absolument besoin pour les MK2. Pour les pipelines MK2. C'est un peu le souci. Paf, 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 paf. Voilà, on en va. Là, c'est que ça, j'ai absolument besoin de ça. Hein. Milestone reached. It is my honor and privilege to inform you that the fuel power generator, rien, si as well as the industrial fluid buffer, are now available. Je peux pas les faire. Due to a lack of gold in your sector, caterium will be required to construct the fuel power generator. Additional research and development relating to this new material can be done in the map. Oui, d'ailleurs, ah, c'est ça qu'il va falloir faire aussi. Ah bah, ça tombe un peu à l'eau en fait là, pour le prochain épisode. Pour mon générateur, il me faut du fil actif que je n'ai pas parce que je n'ai pas de production. Et du fil actif, ça demande. Du caterium, que je crois, heureusement, il y en a vraiment pas loin. Bon, je vais faire un normal là-bas. Ça suffira. On n'a pas besoin non plus de 50 000 en production de caterium en vrai. J'en ai un autre là-bas. Ouais. Bon. On ira prendre celui-là, on fera que du fil de caterium, on s'en fout, franchement. Le reste, on aura du cuivre. Allez, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. Allez, c'était Thiob. Ciao.